Ah ouais, je sais, j'ai vu à Coubertin. J'avais fait le clip avec Martin, tu sais, si on a joué sur le central à Roland. Mon frère m'en a parlé, enfin pas que mon frère, mais on en a beaucoup parlé entre joueurs de tennis. Ouais. C'est vraiment un clip qu'on a adoré. Non, c'est magnifique. En plus, il y a Gaël, il y a Djoko. Mais oui, et tu vois, et tout le monde joue le jeu et ça les sort un peu de leur contexte. Et moi, je veux dire, est-ce que tu peux dire qu'il y a beaucoup de joueurs français en dehors du top 20 qui ont joué sur le central de Roland? Il n'y en a pas beaucoup. Non, t'es d'accord? Y a que vous, donc je peux dire que moi, DJ, et Martin, je vis ma passion grâce c'est à mon métier. Vous avez fait un vrai match ou juste des balles comme ça? Non, on a fait un set ou quoi? C'est bien monté, crois-moi. Ouais, ouais, c'est bien parce monté. Que... Ça a duré quoi? Un quart d'heure? Non, ça a duré une heure et demie. Ah, quand nous même. Nous ont pété le cours pendant. Non, pour faire ça, il fallait jouer pendant une heure et demie. Quand même. Mais moi, je suis passionné de tennis. Si j'en avais rien à foutre, j'aurais rigolé. Ouais, mais ouais. Je peux t'assurer que quand je me retrouve dans le sas, avant de rentrer sur le cours, j'ai le stress. Je te jure. Et le bras, il... T'imagines alors quand t'en vas jouer un match et tout? Déjà que le cours, j'ai l'impression d'être sur une patinoire tellement elle est grande. Ouais, il est grand. Avec le recul qu'il y a, je dis mais c'est pas possible. Comment c'était un peu un rêve de gosse de jouer sur le central. Oui, mais devant 12 000 personnes. Et c'était plein en plus. Et c'était plein à craquer parce que c'est la journée des enfants. Alors c'est qui ton joueur préféré? Dis-moi. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. C'est Roger. C'est Roger? Ouais, la classe. Non, mais tu Roger. Tu préfères la classe à la fougue de Rafa? Rafa, il est bon aussi, mais le jeu, moi, mon jeu. Le jeu que j'aime, c'est vraiment un jeu complet. Non mais Rafa sur terre battue. Toi, t'as un revers à une main et tout. Ouais. Tiens, ouais. Le chip, tu vois. Ouais, comme ouais, Henri. Enfin, à l'époque, j'étais fan d'Henri Lecomte. Mais il a bientôt fini, Roger. Ne dis pas des choses comme ça, c'est blasphémé, c'est blasphémé. C'est horrible. Hein, mais... On est sur terre. Laisse arriver Wimbledon. C'est vrai. Laisse arriver les premiers tournois, on va voir qui c'est le patron. Et en plus, très cool. Très fort. Il est venu me voir jouer à Monaco, un mec très simple, très sympa. Mais je pense que c'est ça qui fait que le tennis masculin, il est si attirant en ce moment, c'est qu'il y a trois personnalités vraiment différentes et hyper attachantes. Donc, faudrait qu'on ait ça aussi un peu sur le circuit féminin, tu vois. Bon, qu'est-ce qui se passe chez les filles, là? Bah, tu vois, on a une numéro 1 mondiale, Wozniacki, qui joue super, super bien. Ouais. Mais c'est pas une grosse personnalité, tu vois. Elle est, malheureusement, les journalistes s'attaquent un peu à elle et c'est dommage. Ah bon? Ouais. Ils l'ont pris un peu en grippe, j'ai l'impression. Ah bon? Ouais, c'est dommage. Ah, et sinon, après, il y a Klichter, ce qui est bon, voilà. Bon, ça, c'était pas mal. C'est elle qui a le gosse, hein. C'est un bon... C'est elle qui est mère de famille. Oui, mais... Pas moi. Bon, c'est très gentil, bon, en tout cas. Bonne chance pour la Merci. Suite, alors. Merci, Alizé. Allez.